dans le cas de ces objets précis, leur histoire est extrêmement bien connue. On sait qu'ils proviennent d'un pillage militaire qui était légal à l'époque. Les pillages militaires étaient légaux au XIXe siècle, mais jusqu'en 1899. Donc, mais on sait qu'ils sont venus donc, dans des conditions sanglantes. On sait que ces objets dont la restitution a été proposée sont réclamés depuis très longtemps par le Bénin. Et on sait qu'ils ont une importance symbolique et psychologique et historique et mémorielle considérable pour ce pays. Et on sait que les autorités du Bénin et la société civile et d'autres classes de professionnels sont prêtes à accueillir. Donc tout y est. La provenance claire, les structures qui sont en train de se préparer pour accueillir, la volonté politique du président béninois et le désir d'y aller. Des fois, on nous reporte le propos selon lequel ces objets sont totalement désincarnés, dévitalisés et qui n'auront plus de fonction dans les communautés. Il y a des communautés pour lesquelles ces objets ont encore des fonctions, y compris des fonctions qui peuvent être réinventées. Et je pense que ce dialogue-là nous a permis aussi de déplacer la problématique en montrant qu'en fait, le musée occidental 19e siècle est une occurrence qui a une historicité, qui a sa cohérence interne, mais ce n'est pas le seul rapport au patrimoine. Et peut-être un universel qui se respecte, c'est un universel qui est pluriel, qui prend en compte la pluralité des options et la pluralité des occurrences sur une question comme ça. Et ça, c'est important de le dire lorsqu'on nous oppose l'argument du musée en disant, avant le musée, il faut d'abord se poser la question de la fonction à laquelle on assigne ces objets. Ce n'est pas un geste d'une grande magnanimité et d'une bonté. Il ne faut pas qu'on s'attribue tous les mérites. Il faut que l'on entre dans la dialectique. Les pays ont réclamé depuis les années 60. Ces réclamations n'ont pas été entendues. Nous avons accepté de les entendre. Nous sommes dans une histoire que nous construisons à deux. Donc même dans cet espace de restitution-là, il faut qu'on fasse gaffe à ce que la redistribution symbolique soit celle qui soit la meilleure. Ce n'est pas juste un geste du prince. Donc le prince est actif et les autres sont passifs. On connaît la phase dorée des musées. On y va, on est ému, on en sort grandi, on en sort troublé, on se prend en photo à côté de l'œuvre qu'on préfère, etc. Ça, c'est la belle phase des musées. Tout le monde, et moi la première, sommes des amateurs de musées, en tout cas pour ce qui me concerne. Mais on ne peut pas jouir de ces musées en ignorant complètement la face cachée qui est cette face d'appropriation souvent violente. Et on a le sentiment, j'ai le sentiment profond dans mon activité d'enseignante, avec différents publics, que ces publics, quel que soit leur âge d'ailleurs européen, veulent savoir l'autre face et qu'une fois qu'ils connaissent l'autre face, une fois qu'on dit « regarde ce très bel objet-là, il a été pris avec un couteau dans la main par quelqu'un en 1932 qui avait été envoyé par la France, qui l'a déchiré de son lieu d'origine pour le rapporter, ou alors qui a payé 3 francs, alors que 3 francs ou 7 francs, c'était le prix de 5 œufs à l'époque. Et c'est comme ça que ça a été rapporté. Ou alors, ça avait été caché et par des systèmes de pression, de menaces, on a trouvé où était l'objet. C'est comme ça qu'il est maintenant dans cette vitrine. Et c'est grâce à ça que Picasso et les autres ont pu ensuite être éblouis. Si on sait les deux choses ensemble, ça ne veut pas dire repentance, ça veut dire qu'on sait. Et le savoir de soi-même, c'est le début de l'avenir.